deux doigts comme ça. Vous prenez votre peau. Ça veut dire que vous êtes vivant. Amen. Et il est vivant. Amen. Nous servons le Dieu vivant. Amen. Nous ne servons pas une idole de bois. Nous ne servons pas des idoles mortes. Nous servons le vivant, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 1. On aime bien Apocalypse pour parler de la fin des temps, des prophéties. Mais aujourd'hui, je vais vous donner une révélation. Amen. Parce qu'Apocalypse, c'est un livre de révélation. Amen. Et on veut la révélation. Amen. Alléluia. Apocalypse 1, à partir du verset 17. Regardez la révélation que Jean a eue. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. » Alléluia. « J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Il est vivant. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais le fait de savoir qu'il est vivant, c'est bon. Amen. Mais ce n'est pas juste qu'il est vivant, parce qu'il pourrait être vivant et avoir juste vécu et être encore vivant. Mais il a dit, j'étais mort. Nous célébrons Pâques parce qu'il était mort. Mais il est vivant. Il était mort, mais il est ressuscité. Amen. Et nous allons célébrer notre Dieu qui nous a rachetés du péché, qui nous a donné grâce et pour lequel le salut a été payé. Alléluia. Battons nos mains pour le roi des rois. Plus grand jour de tous les temps, tu as vaincu la mort, mais sauvant, chantons-le, Jésus est vivant. Crois-le, tombe au son vide, tu es vainqueur, tu vis à jamais, dites-le, prends, Jésus est vivant, oui, vivant. Quelle joie, oui tu m'as transformé. Tu vis à jamais, dis-le fort, Jésus est.